She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Salut la famille, c'est chaud. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue dans notre actualité. Bienvenue sur le Japon, le Guéré qui se passe au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Oui. Après le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Aïe. Les Sénégalais, dont les Ivoiriens qui vivent au Sénégal, ont chaud. On les brutalise, oui. Les Sénégalais ont brutalisé les Ivoiriens, oui, qui vivent au Sénégal. C'est ça. On va faire comment? On va faire comment? C'est comme ça, nous, les Africains. Les fanatiques du football. C'est pas seulement nous, hein. Même en Europe. Et vous avez dit que le football, hein, qui est même sorti un jour et dit que le football unit. Ça unit quoi? Le football unit quoi? C'est un peu divise. Il n'y a rien qui divise dans le monde comme le football. Oh yeah. Ah, vous blaguez. Vous blaguez. Oui. Les Ivoiriens qui sont au Sénégal ont subi. Et sur ceux qui continuent à subir. Oui. Vous voyez donc, je m'adresse maintenant au peuple ivoirien. Quand vous faites vos trucs là au pays, là, dans votre pays, que vous semez la panique sur les étrangers, sur les gens qui viennent chez vous là, sur les étrangers. Que quand un peuple venait dire que, oh, donc il y a la poussière ici, ça revient qu'on vous engage les hostilités. Votre équipe, vous sortez, vous cassez les buts, vous faites ça. C'est quand on vient condamner, vous dites que oh, on parle trop. Voilà ça que les autres vous font ça. C'est comme ça. Il y a un adage qui dit donne la dan la stoman. Donc quand tu te baisses, vous regardez derrière que quand tu exposes ta part de derrière, c'est comme ça. Le karma, le jing et le jang, ça existe. Ça n'a pas dit que j'apprécie ce que les Sénégalais font là, mais c'est juste pour vous dire que c'est comme ça, le comportement comme ça, qu'on est en train de lutter contre ça. Donc quand vous faites souvent cela, parce que sans vous mentir, vous êtes des sauvages. Il faut dire les choses comme on dit. Les Ivoiriens sont des sauvages d'abord à la base. Oui, non là, on a découvert ça. On me disait souvent ça, mais on ne croyait pas. Donc maintenant vous voyez, donc vous êtes croisé un autre peuple qui est aussi sauvage. Oui, parce que les Sénégalais, là, ça, c'est de la sauvagerie. C'est ça. On a fait comment? Je ne veux pas dire que nous, on n'est pas comme ça. Hein? Les Camerounais, on fait souvent aussi ça. Ça fait depuis, on n'a plus fait ça. Peut-être, je me dis que peut-être, en ce moment-ci, comme notre équipe est en train de vivre un moment de transition, les gens ne croient pas trop en eux, oui, oui. Il suffit qu'on ait une équipe qui peut un peu jouer bien et qu'on croit qu'une autre équipe vient taper. Et je suis qu'on va aussi sortir notre caractère de sauvagerie. On va sortir ça. Il y avait un temps là quand, je vous jure qu'un temps là, on a même gagné le Nigeria. C'est quand on avait gagné le Nigeria avec Okocha au terrain. Oui, que quand le Nigeria avait égalisé, Okocha a fait le geste ici, que ici, et que vous ne pouvez pas nous battre ici, vous ne pouvez pas nous battre, oui. Oui, il a fait le geste, mais pour finir, on a gagné ce match. Qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas fait? On parcourait les rues en disant au coach, t'es noyau, machin. Oh, donc, les boutiques des Nigériens, on attaque, on cassait. Les gens cassaient. Vous comprenez? Donc, notre, c'est comme ça. Oui. Mais ça fait depuis, on a pu faire des trucs comme ça là. Je me dis que c'est parce que depuis un certain temps, on ne croit plus à notre équipe nationale. Si on arrive à avoir une équipe nationale sur qui on croit, comme les Sénégalais là, croyaient déjà que leur équipe là, peut-être vont remporter même 10 Coupes d'Afrique successives, comme ils ont gagné. Vous voyez comment les gens ne sont jamais satisfaits. Ils viennent de gagner une Coupe d'Afrique. Mais maintenant on les élimine ceci là, ça devient que non. L'être humain est éternel insatisfait. Donc, parce que les autres on vous a gagné maintenant, ça veut dire que non. Il fallait que non, le Sénégal gagne, le Sénégal ne fait que gagner, oui, oui, oui. On s'assoit là, ouais, il s'assoit, ouais, c'est bon. Oui.
Le Sénégal, les États comme ça, ok, ça va. Le reste du monde, le reste de l'Afrique perd. Le reste de l'Afrique est fait pour perdre. Voilà. Dans la tête là, ça ne va pas. Quand tu supposes que tu gagnes, tu dois considérer que non, l'autre peut aussi gagner demain. Il est bien vrai, tu veux gagner, mais considère, mais il faut considérer la possibilité que l'autre puisse gagner demain. Le ballon est rond. Comment on dit ça? Le ballon est rond. Oui. Donc, c'est que vraiment, ouais. L'être humain, l'éternel insatisfait. C'est comme ça l'être humain. Oui. Ils ne peuvent pas vous montrer les images. Ils montrent les images, il y a seulement, on montre tellement de trucs, mais ça ne se voit même pas clairement. Mais les bruits qu'on fait là-bas, ça fait même YouTube seulement une sanction pour pourtant rien ne se voit là-bas. Comment poursuivait le pauvre là, un pauvre gars là, parce qu'il avait un maillot ivoirien. Ouais, on va faire comment? On le poursuivait parce qu'il avait un maillot ivoirien et on l'attrape. Ouais, vraiment. La bastonnade de ça. Ouais, ok. On va faire comment? C'est le football, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. En tout cas, hein, la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto.